Originaire des hautes plaines d'Amérique du Sud, le lama a été domestiqué et nous le retrouvons un peu partout maintenant. Au parc des Cities, nous avons un lama qui s'appelle Nana. Le lama est un camélidé, cousin de l'alpaga et du dromadaire. Il est utilisé pour transporter les marchandises dans la cordillère des Andes. Le lama vit en harem, donc un mâle pour 6 femelles plus les jeunes, ce qui peut faire un groupe d'une vingtaine d'individus. Chaque année, les femelles donnent naissance à un jeune après une période de gestation de 1 an. Le jeune lama s'appelle un kriya. Une heure après sa naissance, il est déjà debout et suit sa mère partout. Les lamas sont connus pour cracher. Habituellement, ils ne crachent qu'entre eux. C'est un moyen de défense et de communication. Au parc des Cities, nous faisons régulièrement de l'enrichissement pour nos animaux. Aujourd'hui, nous avons prévu un enrichissement pour les ânes, Trico et Mini. Alors, on met en place différents enrichissements pour éviter que nos animaux s'ennuient tout simplement tout au long de la journée, pour qu'ils aient de quoi passer le temps et faire quelque chose. Par exemple, nous leur mettons régulièrement à leur disposition un ballon pour qu'elles puissent jouer avec. Nous faisons aussi un glaçon avec des aliments dedans pour qu'elles lèchent le glaçon et qu'elles mettent plus de temps à manger leur ration. Ensuite, il nous arrive aussi de leur mettre des branches de saule pour qu'elles les mangent. Nous leur mettons aussi de temps en temps un filet à foin suspendu à l'arbre pour également qu'elles prennent plus de temps à manger leur foin. On a un mara qui s'appelle Socrate. Le mara, c'est aussi le lièvre de Patagonie. Donc ça vit en Amérique du Sud. Les enrichissements servent à éviter l'ennui chez les animaux en captivité. On essaye au maximum de reproduire leur comportement naturel.